Quoi? Ah, tu t'y attendais pas? Dimanche soir, 22h, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais c'est quoi cette affaire? Mais comment? Mais pourquoi? Ce soir, dimanche, 7 ou 8 juin, quelque chose par là. C'est peut-être le 5 ou c'est peut-être le 9, parce que je fais pas attention à l'orthographe, ni aux dates, ni à l'heure. Je n'adhère pas à ce système. Ce soir, c'est la Tombeau La Fête. D'accord? À la Tombeau La Fête. Nous avons Tonton La Fête qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Donc, allez voir La Fête au Village. Je crois que ça s'appelle La Fête. Je compte bien sûr sur Tonton pour se signaler dans les commentaires. Qui nous a envoyé une caisse qu'il a achetée parce qu'il m'a entendu citer dans une vidéo que c'est une des caisses que je préfère pour débuter, pour les débutants, avec un budget raisonnable et une machine qui a déjà des bonnes perfs et à qui il faut pas grand-chose pour être. J'aurais bien aimé que Tamiya le fasse de même, mais bon, cette Tamiya reste Tamiya, donc ils l'ont pas fait. Nous avons ici une DT03. Déjà, la version Europe, faut savoir qu'elle a exprès, contrairement à toutes les autres versions, les amortisseurs hydrauliques. Ça, c'est génial. Le prix de vente se situe entre 130 et 150 euros le kit. Avec ça, tu te prends une batterie générique 2S5000. Alors, si tu pars sur le charbon, attention, ne prends pas de batterie avec une grosse cape. Hein. Prends du 1500-2000. En plus, ça va te donner une batterie. Tu vas te marrer. Hein. Ça te donne une batterie de cette taille-là. 2S 1500 mAh. D'accord? Ça suffit large pour le moteur charbon. Tu trimballes pas de poids. Ça va bien. J'aime bien la 2S 5000 parce que ça te permet une autonomie de dingue. Le problème, c'est que le moteur charbon, l'autonomie de dingue, il n'encaisse pas parce qu'il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il fume. Il crève, c'est fini, c'est mort. À bord de cet engin, tu reçois des bagues en plastique, ça c'est un peu dommage aussi, mais elles font le boulot, les bagues en bronze et plastique, parce que contrairement au roulement, ça va s'user. Tu vas prendre des jeux, ça va s'ovaliser, ça a une résistance à l'utilisation, donc le moteur va chauffer plus, tu vas augmenter ta consommation, mais en-delà de ça s'arrête là. C'est pour un choc que tu peux faire une petite empreinte dedans, ça ne tournera plus tout à fait rond. C'est super pas cher à remplacer. Et ça ne craint pas l'humidité en fait, les bagues en bronze et les bagues en plastique, c'est pas grave. Et puis tu peux, c'est facile à. De toute façon, c'est facile d'accès pour faire l'entretien là-dessus, graisser et huiler. Mais si tu mets une 5000, mets un chrono à 10-15 minutes, arrête-toi le temps de tout laisser refroidir et ainsi de suite et ainsi de suite. Il te faut un petit chargeur avec. Alors, tonton, il a mis un petit chargeur qui est prévu pour le NIMH parce qu'il a prévu une NIMH avec, mais nous, on va te mettre une slipo avec. Je crois, a priori, a fortiori, je sais plus ce que j'ai prévu. Je vais peut-être changer d'avis en cours de route, je fais ce que je veux. Tu as avec le variateur d'origine Tamiya, qui est prévu aussi pour le brushless ou le charbon. Donc le charbon d'origine, tu branches qu'avec deux câbles. C'est tout. Si tu mets un brushless, tu es obligé de mettre le capteur, sinon il ne sait pas que c'est un brushless, et les trois fils, évidemment. Donc je vais te mettre avec un Quick Run 17 tours 5. Pas trop violent, ça sera plus performant que le moteur charbon d'origine. Et avec ça et ta lipo, tu vas pouvoir rouler longtemps sans le moindre problème. D'accord? La machine est solide. Je l'aime bien. Elle est très facile à maîtriser. C'est un kit à monter soi-même complet. Tout ce qu'il te faudra encore, c'est une petite couche de peinture pour la carreau. Donc, au moment du tirage, le gagnant, bien sûr, quand il m'aura contacté, me fera signe et me dira où il en est. Parce que soit on peut envoyer la carreau à peindre à quelqu'un, donc à lui de voir avec le peintre pour le tarif de la peinture et ensuite que ce soit expédié chez lui s'il a envie, puisque tout le reste c'est gratuit quand même, c'est quand même assez sympa, d'accord? Je vais donc mettre effectivement le chargeur, la lipo et le brushless avec. Du coup, chargeur NIMH, je peux en mettre de côté. Il y a la radio et hop, il faudra te prendre le petit kit de roulement. Ça vaut 8 euros. Un petit kit de roulement pour ce genre d'engin, un truc générique chinois, ça suffit large. Tu n'es pas obligé de prendre exprès un pack T2M à 20 balles ou 25 ou 30 euros ou même plus, et encore moins un kit Tamiya parce que là, c'est encore plus cher. Si tu as envie, parce que tu veux rester full Tamiya, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Je trouve que c'est un investissement ridicule, vu que tout le reste, ça va être gratos.
pourquoi je ne l'ai pas mis avec ? Parce que j'ai encore oublié. Entre-temps, peut-être le temps que tu auras gagné, j'aurais pensé, j'aurais commandé, et ça sera avec. D'accord ? Ça sera la surprise. De toute façon, tu ne vas pas commander un kit au cas où si tu pourrais gagner la voiture. Tu vas bien sûr forcément attendre d'avoir gagné pour savoir ce que tu en fais. Et pour gagner cette machine-là, eh ben, on va garder le même principe que toute la journée parce que c'est un principe simple, accessible à tous. J'invite bien sûr tous les jeunes, puisque ça c'est une machine spécialement pour les débutants et les jeunes, à vraiment casser les pieds à vos parents si vous avez un compte YouTube Kid. Moi je trouve ça vraiment débile que les enfants ne puissent plus faire de commentaires sur qui tombent pas sur les trucs de Luc, c'est normal. Mais tu vois là, c'est une chaîne RC. C'est accessible à tout public, mais les gens qui ont un YouTube Kid, eh ben, ils peuvent plus écrire. Donc il faut que les gamins aient un compte déverrouillé par les parents ou utilisent le compte des parents. Donc s'il vous plaît, les parents, pensez-y, laissez rapidement l'accès à votre avec votre compte à votre gosse pour m'écrire un commentaire sur les vidéos. Pour gagner cette machine-là, eh ben, c'est super facile. C'est une Tamiya, donc tu vas aller sur les vidéos montage kit. Je répète, montage kit. Si ça c'est pas une aide, donc playlist montage kit. Je répète, playlist montage kit Tamiya XV01. Et tu vas me mettre un commentaire sur toutes les vidéos de montage. Il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 12 ou 13, peut-être 15 ou 16, mais pas plus de 20. Et pense aux mots-clés. Si toi tu sais pas, demande à ton gosse. Le gosse il va trouver, t'inquiète. J'ai des gens qui me disent ouais, c'est trop compliqué, je comprends pas comment ça se passe les tombeaux là chez toi. J'ai des gamins de 12 ans qui jouent. J'ai des mamies et des papis qui jouent pour leurs petits-fils. Ils sont tombés sur la vidéo, ils ont compris le principe, ils ont fait ce qu'il faut, ils avaient même les bonnes réponses. Je vais te dire, je peux pas t'aider si t'arrives pas. Je suis pas désolé pour toi, c'est tant pis pour toi. Tu vas y arriver. Montage kit Tamiya XV01. Sur toutes les vidéos de montage, tu me balances un commentaire, d'accord? J'ai envie de savoir, je veux que tu me racontes ce qui te ferait plaisir, toi, en RC. Sur ce coup-là, tu as le droit de faire un coupé-collé et de balancer sur toutes les vidéos le même com. Ça ne me dérange pas. Sur les autres, tu peux pas. Quels autres? Ah, tu fouilles la chaîne, d'accord? Tu vas sur la page principale de la chaîne et tu te débrouilles. Ok? Ensuite, nous prendrons au hasard une des vidéos de tirage au sort. Au hasard. Ah tiens, t'es là-haut toi. Et on tirera au hasard un commentaire. Et le gagnant, bien sûr, doit suivre. Hein, parce que si tu ne suis pas la chaîne, tu ne tomberas pas sur la vidéo de tirage. Et si tu ne me contactes pas dans les 15 jours après le tirage, tu rates la bécane et on passera au suivant. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est quand alors le tirage? Eh bien, ça, c'est pareil, je ne te le dis pas. C'est là qu'a toute la complexité de la chose. Si tu suis la chaîne, de toute façon, à un moment, tu tomberas dessus. Si tu suis régulièrement, et puis si tu veux gagner la machine, tu sais très bien que tu vas rester dessus. Je vais essayer de faire tout ça encore dans le mois de juin. D'accord? N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour me demander au fur et à mesure des vidéos. C'est quand la vidéo, c'est quoi, machin? T'es en train de nous provoquer à faire de l'activité sur ta chaîne pour gagner des sous. Ouais, comme ça, je peux te payer l'envoi. Eh ouais. Les gars, ça vous coûte rien de bosser un minimum. Et ça aide tout le monde. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas moi qui gagne, tu vas aider quelqu'un d'autre. Ben, si t'es égoïste, va chier, c'est ce que je te dis. Hein? Il y en a des comme ça. Ils veulent tout pour eux, tout de suite et maintenant. Et ils comprennent pas que ça leur tombe pas dessus. Hein? D'ailleurs, regarde, tiens. Je te gratouille la truffe. J'ai hâte de voir les commentaires de plein de jeunes. Parce que c'est spécialement pour eux. Parrain l'a fait, il a vraiment envie que ce soit un petit haut qui gagne. Donc si ce sont les parents qui jouent, dites-nous pour qui vous jouez. Si toi, tu as une caisse et tu joues pour un de tes potes ou un de tes voisins pour pouvoir rouler à deux, pour jouer à deux avec lui, eh ben c'est pareil, tu me le dis parce que c'est génial. Vous me faites absolument penser le jour du tirage.
que je vérifie s'il y a un cerveau à bord du truc là. Parce que je crois que j'ai pas mis de cerveau avec. On va, pour être sûr et certain, poser un cerveau dessus, parce que je vais oublier. Alors, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas, ça c'est un cerveau trop balèze. Bref, t'inquiète, je te mettrai quelque chose avec. Ah non, pas un spectrum avec ses dentitions bizarres. Quoique avec, si, avec les palonniers de cerveau, ça c'est un 9 kg. Et je crois qu'on a ce qu'il faut en palonnier de cerveau dans le kit Tamiya, il y a plein de choix pour les cerveaux, donc c'est possible que ça marche. Donc je vais poser le cerveau avec là. Ok, comme ça, on aura tout. Mais vous me le rappelez, le jour du tirage, que j'ouvre la boîte, qu'on va rapidement regarder dedans si on a tout ce qu'il faut à bord pour que le ptio reçoive le kit complet, d'accord? On a encore, de la part d'un abonné, ça va voyager avec aussi, un petit stand pour mettre les outils. Ok. Hop. Les stands pour poser la machine, je crois que j'en ai plus. Faut que je vérifie ça. Faut que je vérifie ça. C'est possible que j'ai encore un stand pour poser les machines que nous a fait le même abonné. Et on mettra bien sûr ce qu'il faut avec un outil. Alors, c'est pas compliqué, Tamiya. Il faut une toute petite clé Allen pour le pignon moteur et fourni avec. Et il faut un tournevis cruciforme. Enfin, deux tailles. Ils ont fait du 1 et du 3. Donc on mettra. Enfin, ça, je pense que tout le monde peut avoir facilement des outils génériques. Mais bon, on mettra peut-être un petit. Tu vois, un petit truc à multi-embout avec. Je dois me rester ça quelque part. Clé de roue et machin et bidule, j'ai des tontons qui m'ont envoyé des tonnes de clés là. Et le truc, on va répartir ça dans les lots au fur et à mesure, mais faites en sorte que j'y pense, d'accord? Je vous souhaite à tous une bonne nuit, c'est fini, promis, il n'y aura pas de vidéo à minuit. C'était la dernière machine à gagner aujourd'hui. Les tirages, comme dit, je vais voir faire ça dans le mois de juin. N'oubliez pas donc l'Obsan le 17 et 18 juin, c'est le week-end prochain. Aujourd'hui dimanche, vous avez raté une course à Grenoble et une porte ouverte à Grenoble d'un club dont la vidéo est sortie cet après-midi à 16h. Enfin, si, ils étaient là-bas. C'est un mili-milo, c'est pas grave. Je te raconterai plus tard parce que j'ai pas encore fait la vidéo pour eux entre temps que je pars là, tu la verras plus tard. Donc voilà, c'est juste que moi je l'avais déjà en tête. Ah, c'est le bordel, hein, c'est le bordel. Salut les gars, bonne nuit.